nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un encadrement de broderie. J'ai terminé, oui déjà, mon bébé saison de l'hiver. Voilà, vous voyez c'est tout petit, hein, c'est pour ça que ça va vite à faire. J'ai mis 3 jours, mais quelques petites heures par jour à chaque fois, donc voilà. Alors, j'ai fait un petit changement sur cette broderie. C'est ici, le petit bonhomme de neige. Parce que le fil qu'il préconisait, ça faisait gris. Donc, c'était moche. Je vous mets la photo, là, quelque part. vous voyez, donc, je l'ai fait... Alors, j'ai plus les références. Mais j'ai pris dans mes fils DMC, là, les vrais DMC, j'ai pris un fil blanc et un fil jaune pâle que j'ai twisté. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop, si ça arrête de flotter. Voilà. Alors, on va peut-être enlever mes doigts. Voilà. Et autour... j'ai fait un point arrière avec un gris très pâle. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Parce qu'un bonhomme de neige tout gris, mais gris, oui, vous avez vu hein, sur la photo. Alors, je vais faire mon encadrement. Donc, dans ce cadre 3D de chez Action, c'est une nouveauté hein, depuis un petit mois. Donc, ce cadre, vous pouvez soit le poser, soit l'accrocher au mur, donc en paysage ou en portrait. Voilà. Vous avez les trois possibilités. Là, l'image, c'est celle qui est vendue avec. Hein. Donc, il y a un éléphant, il y a un tigre, un chat. Je ne sais plus. Non, mais je crois qu'il n'y en a que 3. Voilà. La taille, alors ça mesure. En totalité... moins de 22,5 sur 27,5. Voilà. Donc, on va se servir de ce cadre. Je vais me servir d'une feuille de cette couleur-là, couleur craft, une feuille cartonnée. Je vais me servir... Alors, je ne sais pas si je vais me servir de tout, mais j'ai préparé. Alors, de la neige, voilà, comme ça. J'ai pris aussi les rondins de bois comme ça et ceux-là. Je ne sais pas lesquels je vais utiliser encore. J'ai quand même redescendu la mousse. Je vais peut-être en mettre. Alors, ici... c'est des billes de polystyrène. Voilà. Et j'ai pris également des petites boules blanches comme ceci. Et des petites boules rouges. Viens là, toi. Comme ceci. Voilà. Je vais voir ce que je vais utiliser. Donc, voilà tout ce qu'on a besoin. Je crois que j'ai tout dit, de la colle. Alors, j'ai plus beaucoup de B7000. J'ai oublié d'en recommander, il faut que je recommande. Donc, j'ai sorti ma colle scotch, comme ça. Donc, c'est un gel glu. Ciseaux, crayons, cutter, scalpel, règle. Ben, je crois que c'est tout. On peut commencer. À tout de suite. Thank you.
Thank you.